Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit déboîtage d'un jeu que j'ai reçu aujourd'hui même, hein, que je suis allé chercher en relais colis. The Loop, encore un coup du Docteur Fou. Ça fait un moment que je l'avais repéré, celui-là qui est en précommande, donc je l'ai précommandé et je l'ai du coup reçu dès qu'il est sorti. Alors qu'est-ce que c'est The Loop ? The Loop, c'est un jeu de catch-up games, 1 à 4 joueurs. Tiens, on voit bien le téléphone avec le trépied, là. 12 ans et plus, des parties d'environ 60 minutes. Le jeu est assez simple, il faut stopper le Docteur Fou à travers le temps. Donc, le Docteur Fou, c'est un peu décrit ce qui se passe, hein. Jeter des failles dans le Terrible Machine Docteur Fou, pour essayer d'empêcher le Docteur Fou de voyager à travers le temps. Utiliser des cartes de boucles temporelles. Améliorer vos agents en récupérant des cartes surpuissantes. Voilà. Le Loop est un jeu coopératif décalé qui vous oppose au maléfique Docteur Fou. On incarne un agent temporel et on explore 4 mondes différents, plein de challenges et renouvellements, dont défie des clones Docteur Fou. Il va mettre des clones dans différentes époques et saboter sa machine en s'équipant d'artefacts puissants. On exploite des cartes, etc., etc. Et le Docteur Fou ne veut pas nous laisser faire. Donc le matériel est décrit ici, on a un plateau espace-temps, un plateau QG, un plateau 3D, 5 pions en bois, des centaines de cartes avec les dimensions, parfait pour les sleeves. Du cube, des tuiles de sabotage, des tuiles vortex, des grandes tuiles, des jetons, un sac, bref, un feuille de mode solo, un livre opérationnel, bref, tout un petit tout bien sympathique. Donc effectivement c'est du coop et du solo. Allez c'est parti, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment. J'avais vu une vidéo de présentation de ce jeu et j'ai trouvé le concept très sympathique. Ça m'a fait penser un petit peu à Dare of the Tentacle. Je ne sais pas s'il est les plus anciens de ma génération en tout cas. Voilà, ça vous parle, ça doit forcément vous parler, hein, ceux qui ont 40 ans et plus là. Dare of the Tentacle, même si moi, Dare of the Tentacle, ouais, non, c'est ça, c'était peut-être ce, quoi. Ma génération, c'est un peu après 45 ans en tête. Les plus jeunes ne doivent pas connaître, même je crois qu'ils ont fait des remixes de ce jeu. C'est un très très bon jeu sur PC. J'y ai passé un temps, c'était à l'époque des point and click, avec Full Throttle, avec Dare of the Tentacle, avec... avec Guybrush, là, le... sur l'île aux pirates. Oh là, bon bref. Alors, The Loop, on a une belle boîte. Donc déjà, on a le règlement intérieur, donc on a une belle notice. Qui fait, bougez pas, je reviens. Hop, excusez-moi. Donc j'ai dit qu'on a une belle notice qui fait 12 pages, donc voilà, pas forcément beaucoup de pages, par contre des grandes pages, avec des belles explications. Je pense que le jeu va être assez sympa à jouer, assez facile à prendre en main. Voilà, tu as une mise en place là, une grande passe mise en place. Alors peut-être qu'il prend beaucoup de place, je verrai. Mais enfin, ça a l'air sympa. Le mode solo qui est expliqué ici. Voilà, en 2 pages, le mode solo. Hein. Alors du coup, est-ce que tu peux pas jouer en mode coop en jouant 2 personnages et laisser le mode solo pour plus tard? Peut-être. Et un livre opérationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mode sabotage, différents modes de jeu. L'ancien SSTAR, l'ancien SSTAR, combattre le Docteur Fou dans le temps, mode sabotage, mode Saiyan Super Clones, mode centrifugeuse laser et le mode Ultra Machina. Donc différents modes de jeu, voilà, la rôdeuse temporelle, l'agence, avec un niveau de complexité faible, donc tu as différentes missions, donc la rôdeuse temporelle, la Taxvik, qui est faible, le robot finisseur 404 qui est moyen, Mr. Time qui est moyen, V-Girl qui est élevé, ce sont les différents personnages que tu peux incarner, et là, combattre le Docteur Fou, donc tu as le mode sabotage qui a une difficulté faible, Super Saiyan Clone moyen, centrifuge laser moyen, et enfin Ultra Machina élevé. Donc les niveaux de difficulté des différentes missions qui vont être proposées avec les différents personnages que tu peux incarner. Donc la rôdeuse, Zvik Tuzek, Robot Finisseur 404, j'aime beaucoup les noms, Mr. Time et V-Girl. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? Donc déjà, c'est coloré, c'est joli, j'aime beaucoup. On a la machine, alors le cul de la machine temporelle de Docteur Fou, c'est ici. Voilà. Bon, ou sa machine temporelle entièrement, peut-être.
Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça dans un... dans un truc, on va voir. Il faut voir comment ça se monte, cette machine-là. Déjà, rien que la machine en elle-même, j'arrive pas à la monter, moi. Ouah, c'est compliqué. Donc, il en manquait un morceau. La machine temporelle. Normalement, elle est plus haute, la machine temporelle. Là, il en manque un morceau. Une poche. Pour mettre des trucs dedans. Un petit... une petite poche pour fouiller des trucs dedans, mettre des trucs et aux poches opaques pour tirer des pions, c'est très important. Là, on a d'autres poches vides. Voilà. Des jetons, parce que c'est quand même un jeton de place, c'est un jeu de placement de jetons. Hein. Donc, d'une poche dans des poches, voilà. Là, on a nos personnages qui sont représentés ici. Attendez, bougez pas. Hop, excusez-moi, le chien voulait sortir. Des personnages qui sont ici, donc on a différents personnages avec leurs différents meeples. Donc ce qu'on peut mettre des autocollants, je ne sais pas trop. En tout cas, bon, on les reconnaît bien, il faudrait relire les différents personnages qu'il y a. Donc là, c'est... voilà. Donc assez rigolo, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le design de la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes. On va les ouvrir les cartes, tant qu'à faire. On a des cartes. Donc c'est pareil, hein, j'espère vous présenter une partie de ce truc-là assez rapidement, sachant que je n'ai pas encore lu les règles, hein, j'ai juste vu une vidéo explicative de 5 minutes de comment, de ce qu'il fallait faire. Donc pour tout vous dire, je ne suis pas prêt d'y jouer. Différentes cartes, d'accord, le grappin mécanique. Attirer à votre époque un fou adjacent, un clone, c'est celui des clones. Placer un clone à votre époque, ou à l'époque de notre agent, etc., etc. Donc différentes cartes que tu vas pouvoir utiliser pour booster tes agents, très sûrement. Voilà, et différents de design, est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, le dos des cartes aussi, j'aime beaucoup le dos des cartes. Donc ça, ce sont, je pense, les cartes équipement. Là, on a les cartes... alors, hop, on a d'autres cartes là qui sont encore des cartes équipement a priori, parce que ça a le même dos. Des cartes équipement. Ah, je pense qu'on arrive. Voilà, la fin des cartes équipement. Ça, qu'est-ce que c'est comme carte? Voyons voir un petit peu. Nous avons quoi comme carte là? Nous avons. Ah oui, ce sont les fameuses cartes... alors ça c'est artefacts et ça ce sont les cartes fous qui sont là. Donc là t'as les cartes fous qui arrivent là. Non, ça c'est pas des cartes fous. Ça c'est les cartes fous, voilà. Donc ils ont différentes actions avec de l'iconographie dessus, donc c'est tout à base d'iconographie. Hein. Donc on a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et ces cartes-là sont les cartes, cartes de départ. Je ne sais pas à quoi correspondent ces cartes. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 cartes. Alors ces 14 cartes sont les cartes Ultra Machina. Voilà, donc je pense pour le mode Ultra Machina. Donc on ne va pas utiliser. Tout simplement. Donc là, tu as les cartes artefacts. Voilà. Donc tu as les cartes qui sont, je pense, pour le départ. Donc comment est-ce que tu les détermines les cartes qui sont pour le départ? Voilà, les cartes pour le départ, je pense qu'elles sont indiquées par ces petits icônes en bas. Tu vas avoir une trentaine comme ça. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pilou. Ok, donc là, tu as les cartes de départ, parce qu'il y a les petits meeples qui représentent les petits trucs qui représentent les personnages que l'on peut incarner. Et sur les autres qui sont ici, bah, tu les as pas. Donc, c'est des cartes que tu peux gagner très sûrement plus tard. Ok, donc là, on a des cartes, on a des pions, ça c'est très cool. On a.
ici, alors ça c'est la machine Docteur Fou qui se déplie comme ça, voilà. Qui va très sûrement se mettre là-dedans, alors qu'il doit avoir un sens, très sûrement de construction. Hop, ça doit ressembler à ça. Tiens, allez, regarde. T'as la notice qui est au dos. Pas con le Docteur Fou. J'en veux dire pas fou le Docteur Fou. Oui, bon, écoutez, hein, je suis fatigué aussi. Hein. Voilà. On met ça dedans. Et on obtient ainsi la fameuse machine du Docteur Fou, comme ceci. Voilà. Et on a la machine Docteur Fou qui est construite. Et on va y mettre des petites pastilles là-dedans. Ça va tomber là-dedans, tac, 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 tac. Ça va sortir par différents endroits. Et en fonction du plateau de jeu, ça va aller à différents endroits du plateau de jeu. Ça va faire différentes actions. Donc là, on a les jetons clones du Docteur Fou, qui correspondent à différentes époques. Donc, pourquoi il m'a quand même fait... Ah, t'as les époques au dos. L'antiquité, l'usine, le futur, etc., etc., je pense. Là, c'est... Oula. Là, ce sont les fameux cartes, les fameuses cartes de... comment ça s'appelle ces cartes-là? C'est ce qui se retrouve ici, le long du truc, là, ça. Les plateaux d'espace-temps, non, les plateaux d'espace-temps, c'est le plateau de jeu, c'est des tuiles de sabotage, voilà. Donc, tu as des tuiles qui sont autour du truc, tu dois remplir les objectifs, grosso modo, puis une fois que tu les as réglés, je crois que tu la retournes, et puis il se passe quelque chose quand tu fais ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ces petits jetons, là. Des jetons rigolos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des cartes avec les cartes de... Alors ça, c'est nos cartes de personnages. Easter Time. Xuxuzik. Encore un pion comme ça. Encore des tuiles de sabotage. Tuiles de sabotage. Voilà. Ensuite, on a des tuiles de sabotage, de reconnecter le temps, réunifier le Docteur Fou. Il y a différentes missions à réaliser. Robot finisseur 404, la rodeuse temporelle. Alors, je ne sais pas ce que sont ces icônes-là précisément, il faut que je regarde. Ensuite, on a quoi ici? On a encore des tuiles de sabotage. Il y a plein de matériel, c'est très sympa. En plus, c'est de très bonne qualité, j'aime beaucoup. Pourquoi c'est en double, ça? Ah, d'accord. V-Girl, dans son gros robot. Ah oui, c'est le gros robot. Le gros robot vert, ça c'est la feuille récapitulative du jeu. Ça, c'est encore un jeton comme ça. Les différentes missions, sabotage, Super Saiyan Super Clone, centrifugeuse laser, et du coup, je pense qu'on a l'Ultra Machina au dos. Voilà. Ok, donc ça, c'est très 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 chouette. Et j'ai pas fini parce que là on a les plateaux de jeu qui vont arriver ici. Voilà. Attendez, ça, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir le bainer après. Mettre à la poubelle. Ok, donc on a une tétrachier d'icônes et de jetons. J'aime beaucoup. Tiens, t'as des trucs au fond en plus de la boîte là. J'adore ça. Motif promotion, voilà, t'as des plans de victoire employés du mois de mai. Employé de l'année, employé de l'infini. T'as différentes, des accomplissements. Là, tu retrouves encore des jetons de clones du Docteur Fou. Donc, différentes époques. Hein. T'as les bleus, les oranges, les verts, les violets. Voilà, ça, ce sont des... Aucune idée de ce que c'est, ça. Faut que je regarde les règles, vraiment. Là, c'est encore des tuiles de sabotage. Non, ça c'est les tuiles Vortex. C'est les tuiles de Vortex, ça. Par contre, on les place à droite du QG, et le QG c'est cette plaque-là. Le QG. Voilà, c'est cette plaque-là, le QG, donc on les met à droite, c'est tuiles de Vortex. Je vois que quand il n'y en a plus, tu perds la partie, tout simplement. Voilà. Et enfin, on retrouve... Alors attends, encore des tuiles... Voilà. Et enfin, on retrouve le plateau de jeu, qui est ici. Donc, qui ne prend pas tant de place que ça, finalement. Avec, au centre, on va mettre, voilà.
Et on voit bien que du coup, les trucs correspondent, les toboggans correspondent à différentes époques. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas jeter des briques à l'intérieur. Et en fonction d'où ça tombe, ça va te faire des vortex, ça va faire des trous noirs. Bref, ça va faire différentes choses très sympathiques sur les plateaux de jeu. Et ça va être à toi de gérer la présence de ces pions sur les plateaux de jeu, de façon à pouvoir anticiper et venir vaincre le Docteur Fou. Voilà. Alors cette présentation, c'était vraiment une rapide présentation du contenu du jeu. Je n'ai pas lu les règles, il faut que je m'y attelle juste après, pour essayer de vous présenter une partie rapidement. Alors bon, du coup, ça va décaler d'autant plus ma vidéo sur Kepler, que je vais vous faire une vidéo de Kepler 3042, là. Mais bon, entre les God of War qui sont sortis, Death Medaille qui est sorti, que j'ai ressorti mon Cthulhu Death Medaille pour faire des vidéos, Sanctum, Kepler, il est en attente, et comme nombre de jeux qui sont en attente, j'ai toujours The Other Seven Sins aussi, que je vais vous montrer, il faut que je le fasse. Et ne parlons pas d'Arkham JCE, le jeu de cartes évolutif, là c'est l'Arlésienne de la chaîne, hein. Ça fait peut-être 2 mois que je l'ai, le jeu, j'y ai joué 2 fois, c'est bien, c'est vraiment bien, mais je n'ai pas la hype encore pour vous présenter une vidéo, parce que je n'ai pas assez joué pour le connaître, et ça devrait arriver. Bon, ça va être pareil pour The Loop, hein. The Loop, à mon avis, voilà, c'est vraiment sympa, enfin j'aime beaucoup, ça me rappelle les jeux de société quand j'étais gamin, avec mon frère, je jouais à Hôtel. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est un hôtel, c'est une sorte de Monopoly en 3D, quoi. Mais du coup, il y avait des trucs en 3D comme ça, là, et c'est vraiment, voilà, tu mets ça là, enfin vraiment sympathique, quoi. Voilà, t'as une interaction avec le décor, voilà, effectivement, c'est... Puis j'aime beaucoup l'univers graphique, c'est enfantin, c'est gamin, c'est très Devil's Tentacle, et ça, j'ai adoré ce jeu. Voilà, c'était tout, c'était juste une petite et rapide présentation de ce The Loop. On va voir un peu ce que ça donne plus tard. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Écoutez, voilà, petite vidéo rapidou. Je vous embrasse. Et du coup, la partie explicative, du coup, je reviendrai plus en détail sur les règles, sur ce que ça fait, lorsqu'on fera une partie, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Salut, salut.